Coucou bande de malades, c'est Jérémy, on se retrouve aujourd'hui avec Mathieu pour un petit speedrun sur MGS Twin Snakes. C'est ça, sur GameCube. Donc bah, par contre c'est Mathieu qui fait tout le speedrun parce que moi MGS je suis un peu un néophyte. Donc ouais. Bon ça va pas être du extrême ni quoi, ouais. Là on se le fait vraiment le plus rapidement possible. Voilà. C'est pour ça que je me mets en véritable. Et puis voilà. Hein, donc tu me dis. Le but ce serait d'essayer de le faire en 1h30. 1h30, on va essayer, donc oui. Voilà, on essaie. Allez 3, 2, 1, c'est parti. On y va. Bon, on passe les cinématiques. On passe tout, c'est du skip total. De toute façon, il connaît pas le jeu, donc il va poser des questions, ça permettra à ceux qui regardent de... Comment il s'appelle le monsieur? Le monsieur, c'est Solid Snake. Ah oui. Ah, c'est parti. Cargo Doctor, je vais plutôt le mettre là. Je vais le garder à côté de moi. Donc on vous prévient, on fera une petite modif de caméra pendant le let's play parce que les caméras peuvent pas tenir les 1h30 de speedrun. Donc on va essayer de se faire un petit... Bon, on est équipé, hein. GoPro, ça devrait aller. Ouais, non, ça devrait aller, je pense. Normalement, ça devrait aller. Au pire, si vous avez pas de son, genre à la toute fin ou un truc comme ça, bon bah vous nous excusez, hein, on fera quand même en sorte que ce soit joli. Joli, joli, voilà, voilà. Bon voilà, la séquence est timée, donc je peux pas avancer tant que l'ascenseur n'est pas arrivé. Il faut s'occuper en attendant. Voilà. T'as pas un Tetris sur ton téléphone? Non, pas du tout. Quoi? Il s'est jeté par terre? Ouais, il m'a vu, il a fait oh là là. Il a fait ah non, Solid Snake! Je suis pas semblant d'être mort. Repas en arrière, c'est la classe quand même. Hop là, ouais. C'est énorme. Voilà. Bon, MGS Twin Snakes, c'est le remake de MGS5 sorti sur Play 1. Mais sur GameCube. Voilà. Donc avec les graphismes de MGS2 sur Play 2. Qui est quand même pas mal fait, hein. Franchement, pour une GameCube. Un jeu GameCube, franchement, il est dans le top 10 à mon avis. Hein. D'ailleurs, c'est quand que tu changes de CD du jeu en fait exactement? C'est après avoir tué Sniper Wolf. C'est au milieu? C'est ouais, au milieu. Parce que comme ça, limite, on pourra charger la caméra à ce moment-là. Et... Ouais. Et sachant que la deuxième partie est beaucoup plus courte que la. Ah, d'accord. Enfin, elle est plus facile la deuxième partie. D'accord, donc tu le fais peut-être plus rapidement. Parce que Psychomantis, c'est le temps, c'est des boss qui font perdre un peu de temps généralement, parce que c'est très aléatoire leur mouvement, leur pattern et tout. Donc, on verra. D'accord. Une petite séquence tutoriel, donc on va taper. Le mec, il zappe les zones tutoriel. Le mec. Il y a un moment aussi où on va gagner énormément de temps. C'est un moment Snake il se fait capturer et il se fait torturer. Et là t'as deux choix. Soit tu renonces à la torture et ouais. Du coup ça zappe complètement la séquence. Ou alors tu résistes à la torture mais bon, ça te fait perdre bien 10 minutes de jeu donc on va se soumettre. D'accord. Mais le fait de se soumettre ça fait que Meryl elle meurt à la fin. Ah. Mais on s'en bat du coup. D'accord. On s'en fout. Un Pokémon qui crève, on s'en fout un peu. D'accord. Mec, ouais, c'est un barbare le mec. Allez, c'est parti. Là, on commence. On va essayer de se faire repérer le moins de fois possible. Oui! Ah, un Socom. Super. Socom. J'en rêvais. Il t'a même pas vu? Ah, si. Non, il m'a pas vu. La caméra, mais elle est immense. Ouais. C'est bah, en même temps on est en 2005 dans le jeu. Ah ouais. Mais ils ont caméras. Des caméras, c'est des tanks les trucs. C'était pas encore les GoPro. On se croit un peu dans le pipe là. Ouais, dans les conduites. Ah putain. Le mec il t'appelle tout le temps. Il t'appelle tout le temps, tu peux pas être tranquille. Le mec il te fait pas chier. Ça. Le mec il est en mission, il est plus sur MSN qu'autre chose. Allô. J'ai acheté du porc aujourd'hui, je l'ai fait au caramel. C'était trop cool. Ah là t'es sous l'eau. Ouais. D'accord, donc tu peux te noyer. Ah mais là tu vois je spam le bouton Y pour retenir ma respiration. Ah tu peux retenir ma barre O2 c'est ma barre. D'accord. Et même les rats ils ont des exclamations. Oui. Voilà. Donc alors l'histoire vite fait. On l'a envoyé sur une île, on a Alaska.
parce qu'il y a un groupe terroriste qui a pris possession d'une base. Et dans cette base, il y a un Metal Gear. Et le Metal Gear, en fait, il peut lancer un missile nucléaire d'à peu près n'importe où. Et donc, nous, notre mission, c'est d'aller sauver les otages. Et forcément, de les désactiver là. Mais comment ça se fait qu'ils aient des mecs aient réussi à prendre un endroit où il y a un Metal Gear? Écoute, ils ont des soldats et tout, ils arrivent, ils prennent la base quoi. Ah ouais, easy patate les mecs. Mais bien sûr. Attends, c'est quand même les Kid Snake qui a la tête du groupe. Hein. Ouais, c'est pas fou. T'as raison. Voilà. Le mec m'a trop impatient en fait. En fait, de spammer l'ascenseur, ça le fait arriver plus vite. Putain, tu vas arriver, putain. C'est ça. Excellent le truc. Donc là, on va en route pour. Vous voyez sur notre radar en haut à droite, là, le point vert qui clignote, c'est un otage. On doit aller sauver. Follow me, ok. Ok, let's go. Ok, let's go. Les antiterroristes ont remporté la partie. Ah merde. Non, non, c'est toi l'antiterroriste, donc c'est bon. C'est moi l'antiterroriste. C'est toi l'antiterroriste, c'est la machine à laver. La machine à laver? Ouais. Parce qu'on fait des machines, on fait des machines de temps en temps, une fois par an. Une fois par an, on se lave. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bon, ça a fouetté. Mais on ne fait pas en même temps qu'on se lave une fois par an. Non. Du coup, ça, voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, là, la première cinématique, fait, on voit Meryl, mais je vais la zapper. Normalement. Si vous aussi, vous êtes comme moi, vous pensez que quand on dit Meryl, vous pensez au Pokémon, rejoignez-moi. Mettez un commentaire. Alors, le chef du DARPA. DARPA, t'as vu? Ça fait un peu moi à l'envers. Je suis de DARPA, ouais, moi, de DARPA. En fait, il nous explique que ouais, le Metal Gear peut lancer des missiles nucléaires, blablabla, qu'il leur a donné le code. Trop cool, tout ça. Il est pas déjà au courant. Et en fait, là, il meurt. Il a une crise cardiaque. Ah, la mort de merde. Enfin, c'est la raison officielle. Mais en fait, voilà, il a... En fait, ce qui se passe, c'est que Snake, avant la mission, lui a implanté un virus qui s'appelle FoxDie, qui en fait tue les personnes selon leur code génétique. Il se transforme en renard. Exactement. En fait, ce n'est pas le chef du DARPA, c'est un méchant qui a pris son faciès. Et là, tu fais un bisou. Voilà. Et donc là. Et voilà. Vous voulez des artères? Et donc là, on va rencontrer Meryl. Attaque éclair. Oh putain. Hop. Ah, t'es déjà en arrière. Ah oui, il y a des phases où t'es obligé d'être en arrière. Ouais. Ah, les mecs ils disparaissent, mais genre comme ça. Comme ça, c'est. Easy les mecs. La mémoire de la GameCube ne peut pas gérer des cadavres. Plein de cadavres. Donc, ça c'est Meryl. Qui s'est déguisé en garde pour passer inaperçu. Ça marche très bien d'ailleurs. C'est elle qui gueule? Oui, c'est elle qui gueule. D'accord. Non, c'est Snake qui lui botte. Ça marche tellement bien qu'elle gueule comme une nana. Donc, c'est vrai que ça passe super bien. La petite nouveauté dans cette opus, qu'on peut se mettre en VFPS. Ce qui peut être pas mal au niveau de certains boss. Comment tu savais qu'ils étaient morts? Ah, parce qu'il y a une animation que je connais bien. Ah d'accord. Oh le mec, tu l'as. Oh le mec il a pissé le sang, mais genre il a pas vu sa souffrance. Donc quand ils font ça, ils sont morts. C'est trop drôle. Les mecs ils ont été en train de mourir, on dirait. C'est trop drôle, les mecs. Voilà, fini. Donc maintenant on va aller sauver le deuxième. Enfin, on va essayer d'aller sauver le deuxième otage. Ah. Parce que l'autre il est mort un peu en fait. L'autre il est mort. L'autre il est décédé. On n'a pas compris. Délectable. C'est ça. Les couloirs sont clean, je tiens à dire que le sol est très oui, propre. Oui, il y a une femme de ménage qui passe tous les matins. Tu m'as dit que Snake. Ouais, le mec il a ses manières. Ah, armurerie. Donc en fait ici, il y a toutes les armes du jeu. It's a trap. Mais il faut avoir les clés en fait pour ouvrir les portes. Mais moi comme j'ai la clé du niveau 1, je peux pas ouvrir toutes les portes. Hop là. On va choper les grenades. Le C4. Le fameux qui est super chiant dans Super Smash. Ouais. Donc là en fait, il faut faire péter des murs. L'armurerie sous. Mec, il est en face du théâtre. Tout va bien. Je connais l'effet. Je connais le. Tu lui as mis une pause en plein milieu, c'était magnifique.
un petit bullet time. Donc alors la première boss, pour me faire plaisir. Revolver Ocelot. Donc le mec qui revient mais dans tous les MGS. Voilà. Le mec on le bute 10 fois. Et il est vivant 10 fois. Ah, tu l'as démonté là. Raté, raté. Ah, mieux. C'est le but. Ah, tu le rates en fait exprès? Non, non, c'est le but que je l'ai défoncé. Ah, d'accord. Et encore un petit coup et... Raté. 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 Ah, ça c'est ces balles qu'elle a là-haut? Ouais. Ok, d'accord. Ça c'est intéressant. Ouais, c'est un petit truc. Voilà, c'est il est mort. Donc la petite cinématique, en fait, il y a... Voilà, ça c'est notre deuxième otage. En fait, il va aussi mourir d'une crise cardiaque. Mais lol, quoi, l'Alaska, faut pas y aller, tu peux pas y aller. Crise cardiaque. Bon, là aussi, à cause du virus dont on a parlé tout à l'heure. Tac-tac. Petite séance de téléphone. Mais non, c'est pas mérite. C'est non. Bon, cette fois-ci, on prend le FAMAS. Ouais. On va perdre un peu de temps, mais au moins. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Parce que sinon, on risque de prendre cher au tank. Ça nous le rendra bien. Ah, c'est pas mal, tant que t'es pas rentré dans la salle, il te met pas le. La map. Sur la map, il t'affiche pas la salle. Non, faut rentrer dedans. Ça, c'est cool. Voilà, je rentre parce qu'il y a des rayons laser. Et si je passe dans les lasers. Eh ben, l'alarme. Oui. C'est ça. Oh, le mec, c'est un viseur, mais. Ah, tu l'as pas eu en fait. Ah, si, mais il tombe après. Allez, vite, il y a un patient mag. Putain, vite. Oh l'autre, il a même pas entendu l'ascenseur arriver. Bon. C'est l'ascenseur très silencieux. Donc, c'est l'ascenseur électrique. C'est ça. Donc là, il va falloir qu'on contacte Meryl. On va le faire le plus rapidement possible. Tu lui envoies un pigeon? Ouais, voyageur. Donc je connais la fréquence de tête, mais sinon il faut regarder derrière la boîte du CD. Et la boîte. La boîte du CD. Elle est là. Je vais te montrer. C'est le seul moyen de trouver son code. Donc si t'as perdu la boîte, t'es dans la merde. Voilà, tu l'as dans le cul. Tu l'as dans le cul. C'est pour ça en fait d'ailleurs qu'on a racheté la boîte parce qu'en fait on avait le CD mais sans la boîte. Et on se souvenait plus du code. Et comme on n'avait pas envie d'aller sur internet et de voir, on a voulu acheter la boîte. Exactement, voilà. On a envie de faire les choses bien. Voilà. Mais là on va le laisser à côté parce qu'il faudra changer le CD au bout d'un moment. Exact. T'es à 12 minutes. Voilà. Donc là, à peu près une minute, le temps que Mary ouvre la porte, ça va nous laisser le temps d'aller chercher le silencieux pour pistolet à eau. J'ai lu mec. Là tu l'as retourné. Il y a des petites étoiles qui tournent autour de la tronche. Chaf G, ça c'est les grenades électromagnétiques. Par contre là, il faudrait des balles pour le SOCOM. Putain, j'ai fait de la merde. Non, il y en a là-bas, je crois. Pour désactiver les rayons dans la salle. C'est... Ah ouais, uniquement au SOCOM ça marche? Ouais, parce que le M9 il tire des fléchettes en fait, tranquillisant. Ah, pour les trucs, pour les matériels un peu électroniques, ouais, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Tu t'amuses bien? Ouais. Mais c'est des petits entraînements pour être sûr. Bon, la palette de coups est assez limitée, hein, c'est du basique. Hein. Ce qui est bien fait, c'est que quand il te fait le coup pied retourné, il est déjà en l'air avant de faire le coup pied retourné. Ouais, ouais. T'as vu? Bon, je suis un godin, moi. Wouh! Ah, ça y est. Allô? Donc là, il nous ouvre. Allô, oui? J'ai acheté du chinois. Tu manges? Alors là aussi, pour ceux qui savent pas, en fait, il y a des rayons laser. Et si on se les prend. En fait, ça fait que la salle se referme, il y a un gaz toxique qui apparaît. Et en fait, on est obligé d'attendre la cinématique pour mourir. Donc ça fait perdre énormément de temps. Donc là, ce que je fais, c'est que je désactive les lasers. Normalement, c'est bon. Bien joué. Voilà. Hop. Mais quel talent. Donc là, deuxième boss. Ouais, alors on va essayer de pas perdre de temps. Ouais, putain, il est chaud parce que ses mouvements sont aléatoires. Il peut faire bien mal quand même. Hein. Il fait bien mal. Donc là, pourquoi je rampe? Parce qu'il y a des mines. Je fais pas mal, toi. Je crois, je sais plus. Alors là, première chose à faire. Ouais, t'as le fameux. Une grenade. J'ai quand même le temps de t'aider au début aux grenades parce qu'il perd beaucoup plus de vie avec des grenades. Ouais.
En fait, c'est un tank. Un petit tank. Un petit tank clowné. Voilà. Pour se faire plaisir. Je suis pas mal là. Oh putain, il l'a sur les couilles le mec. Sur les couilles quoi. Le mec il pourra plus faire d'enfant, mais genre. C'est bon, là il est. Quart de la vie, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. Ah, pas mal. Pas mal. Non. Mais il faudrait qu'il ressorte en fait, parce que dès que tu le touches, tu vois, il rentre dans le tank. Ok, un petit temps, je sais pas combien de temps il va ressortir. Là, il est là. Oh, t'as fait quoi là? Là, je lui ai fait péter une chaîne, ça l'immobilise sur place. Ça peut être pas mal. Ça l'immobilise sur place. C'est un peu naze maintenant. C'est un peu naze, ouais. Ça l'immobilise. C'est pas mal, tu lui as enlevé la moitié de sa vie à ce moment. Pas mal, pas mal. Bon, en fait, on va vous dire, hier, on a fait un test. On n'est pas allé plus loin que le tank parce que c'était tellement un bordel. C'est un peu Epic Fail en fait. C'est un peu Epic Fail. Donc Jérémy, lui, il connaît le jeu jusque là. Voilà. Après, c'est de l'inconnu. Voilà. Après, il va y avoir genre des schtroumpfs habillés en clown. Il a failli me renverser. Ouais. C'est un champ qui fait très très mal quand il vous touche. Oh, ah, dommage. Même de se mettre en vérésie, les boss vous font hyper mal en fait. Bien joué. Ce qui change dans le mode difficulté, c'est le nombre de gardes et le nombre de munitions qu'on trouve en fait. Déjà, rien qu'en vérésie, je galère au niveau des balles. Ouais, c'est vrai que. Parce qu'on t'en donne quand même assez rarement. Je suis pas mal, je crois. Ouais, t'étais pas mal là. Ah putain, mais ils sont sérieux les mecs. Ça là, elle est bien placée, je pense. Ouais, bien joué. Donc le premier mec, déjà, je pense qu'il est mort. Bah, on espère. Le mec s'est quand même pris une grenade dans les couilles, une autre à côté, une grenade de mec. Et il m'a pas touché encore. Putain. Alors, hier, j'ai perdu 10 rations. À peu près. À peu près. Ah. Bon, ça le touche. Ça va. C'est pas mal. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. On n'en sort pas trop mal. Oh, quel mais faut qu'il ressorte, d'ici là. Ah putain. Putain, c'est dommage, elle était super bien placée. Ouais. Putain, c'est de la moins bien. Ça a l'air moins bien. Tu vas le toucher ou non? Je pense ouais, je pense qu'un peu. Ah non, même pas. Oui, oh, joli. Quoi? Il n'y a pas eu la petite anime. Putain, vous êtes sérieux, Kejo en carton? Ça va. Ah ouais, nickel, ça l'a fait quand même. Kejo en carton, tu peux me répéter ça? Tu oses répéter ta gueule en carton? Oh putain, deux fois d'affilée, ouais, mais là tu l'as raté. Ouais, je l'ai raté. Faut que j'attende avant de tirer. En fait, t'es trop un pro, du coup. Le jeu, il n'arrive pas à suivre. Oh. Ah, pas mal, tu veux aller enlever pas mal, je pense. Ah ouais, joli. Ouais, pas mal, pas mal. T'as le mec qui t'a toujours pas touché. Il me reste une grenade, faut pas que je la loupe. Bah sinon on fait masse. Ouais, sinon on fait masse. Mais... Il t'a touché. Ah, t'as perdu ta grenade. En deux balles, il me fait perdre la moitié de ma vie, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Et pourtant, on est en Vérésie, hein. Non, pourtant, on est en Vérésie, donc. What? Ah putain. What? Tu sais, le canon. Il a le canon dessus. Il tire un missile, il t'arrache la tête. Non, mais c'est loin, c'est pas bon ça. Voilà. Ouh, c'était Justin. Just. Mais sachant que quand mes rations sont équipées, quand je perds ma barre de vie, elle remonte toute seule. Donc c'est pratique. Bon, deuxième boss fini. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On est à combien? 17 minutes. Ça va. 40. La petite droite juste avant. Comment perdre 3 secondes? Putain. Il y a beaucoup trop de codecs dans celui-là, on peut pas les passer aussi vite que dans les. Ouais, les autres vont. Ouais, ça va beaucoup plus vite. Alors, par contre, ici aussi, on va essayer d'éviter de se faire repérer parce que quand tu te fais repérer, il y a du gaz aussi qui apparaît. Et t'es obligé de mourir. T'es obligé de mourir? Bah ouais, parce que. Tant. Enfin. Oui! Alors, ce serait pas mal de le faire sans alerte, mais je pense que c'est. Physiquement impossible. C'est physiquement impossible. Parce que c'est beaucoup trop dur. C'est gamerment impossible en fait. Donc là, on doit aller sauver notre troisième otage. Qui s'appelle Otakon. Ah, mais lui il va pas mourir. Lui il va pas mourir. Parce qu'on le retrouve dans les autres MGS. Donc la première rencontre entre Snake et Otakon. Bon, on se durait pas droit parce qu'on va zapper la cinématique. Mais dans votre cul. Mais avant, on va aller chercher Nikita. Arme que tu connais très bien dans Smash Bros. De quoi le. Nikita. C'est le missile. Ah, c'est le. D'accord. Putain d'enfoiré ce missile. Pourquoi il faut prendre le Nikita? Parce que là en fait on va avoir une salle où le sol est électrifié. Super. Et en fait pour désactiver l'électricité au sol il faut envoyer un missile dans un panneau. Il faut le guider. Qui est situé à l'autre bout de la pièce, ouais, il faut le guider. Comme le Nightfire. C'est exactement ça. Super. C'est pas du gaz que t'as là? Ah non, c'est électrifié là. Le sol est électrifié et le gaz aussi en même temps dans la salle. C'est pour ça qu'il faut essayer de le faire assez vite. Ah ouais, mais ça va, tu le contrôles facilement le missile. Oui.
En fait, il faut essayer de rester droit, parce que quand tu vas droit, ta vie va plus vite. Et dès que tu tournes, il ralentit. D'accord. Je vais essayer de se taper les murs. Et la petite jauge en dessous de ma barre d'oxygène, c'est la barre d'essence, enfin, d'essence, moi je dis, mais la barre de... Oui, de, d'énergie. Ouais, du missile. D'accord. Donc là, le sol est désactivé. Ah ouais, t'as quand même pas mal de missiles. T'es tranquille un peu. Oui, oui, oui. Vraiment, j'ai pas besoin. Mais le Nikita, franchement, on s'en sert pas beaucoup. L'avantage du Nikita, c'est quand tu tapes au corps à corps avec, tu fais perdre beaucoup plus de vie au mec. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a, il y a un massacre dans le couloir. Oh putain! Parce qu'en fait, il y a le ninja qui est passé juste avant. Ah oui! Bon, on comprend, mais les ninjas, de toute façon, ils font toujours des trucs sales. Allez hop, troisième boss. Là. C'est le jeu des boss. Troisième boss, donc le ninja. C'est Grey Fox. Et je le tape, t'as vu, avec le Nikita, la barre que je lui fais perdre. Bah ouais, mais vu que je savais pas la vie que tu lui fais perdre déjà de base, en ouais, fait. Bah, je vais pas te le montrer, ça me fait perdre du temps. Quoi? Le mec, il a perdu deux petits trucs de vie, il te fait. Mais voilà, égalité. Quoi? Bon, ça, je peux pas le passer, malheureusement. Le mec, il a une ombre qui va moins vite que lui, il a le cancer, son nom. Ouais, il est trop rapide, le ninja. Le mec, il se met devant toi, il fait. Mets-moi un coup. Non, parce qu'en fait, il voit que j'ai une arme, mais il aime pas ça. Et là, maintenant que tu tapes au point, tu vois la différence. C'est toi le chat. C'est ça. T'as vu la différence de vie que je fais perdre avec les mains nues et... Ouais, mais au final, les trois coups que tu lui balances. Ouais, mais faut arriver à lui caler les trois coups. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu vois, mais en bas il y a une GameCube derrière sur le bureau là. Ah ouais? Ah, oh, c'est drôle le petit clin d'œil. Ah ouais. Il y a un autre petit clin d'œil que je vais essayer de te montrer après. Tu vas me dire si tu reconnais. C'est marrant ça. Ah ouais, énorme. Ah, c'est pour faire comme les trucs des développeurs en fait, c'est cool. Ouais. Comme il est sur le GameCube, exclu GameCube, je pense Nintendo vous le dire. Ouais, ouais, donc tu bon, dans MGS ça passe pas, c'est pas crédible quoi, d'avoir Mario. Mais petite anecdote, si tu tires sur Mario, ça te redonne de la vie. Avec la petite musique. T'es sérieux? Ouais. Putain, mais ils sont fous les mecs quand même. Bon, ça reste un jeu japonais d'un côté. Oui, donc, ça, bon, c'est ça japonais, reste mais... assez. T'es très invisible. C'est assez incroyable. Ta fonctionnalité est un peu useless. T'es vraiment une merde quand même, hein. Oh putain, ce que tu lui mets. L'autre c'est un train électrique. Ouais. Là tu es en train de crever. Hit me more. Pourquoi t'attends? Ah, what? Parce qu'en fait il se TP. Et t'as retourné assez vite, t'attends. Là il est invul en fait. Ouais. D'accord. Ah, ouais, donc là c'est easy quoi, t'attends juste qu'il se retourne. Enfin qu'il se passe. Putain, c'est marrant ça. Bon bah, easy. Voilà. Mec, il s'est tapé un boss, mais easy quoi. Non, c'est pas le plus dur au ninja, hein, franchement. C'est... Tout le monde qui meurt dans le jeu. Mais il est pas mort, hein. Non, non, bah non. Forcément. Tous les boss qu'on a eu affronter jusqu'à maintenant, il n'y en a aucun qui est mort. Hein. L'autre, il s'est mangé une dizaine de balles dans la gueule, un machin, lui, tu l'as pété le nez. Hop, hop. Présentation d'Otacon, machin. En fait, Otacon, c'est lui qui a créé Metal Gear. D'accord. Mais lui en fait il voulait pas en faire une arme de destruction, il voulait en faire une arme pour protéger. Il voulait en faire un petit poney. Alors là maintenant notre objectif ça va être de retrouver Meryl. Ouais mais ça va, le clin d'œil il est monstrueux là quand tu vois Margot derrière. Mm-hmm. Hein. Nuke Building, d'accord, Duke. C'est assez... C'est là qu'il est né, Duke Nukem. Quoi? Ah oui, tu marches tout doucement quand tu marches par-dessus. Eh ouais, c'est chiant ça.
voudrais éviter de vous bousculer. Excusez-moi, vous êtes mort, mais je ne voudrais pas vous bousculer. De vous marcher dessus. Oh putain. Il y a plein de petites salles à droite à gauche, il y a quoi, des munitions? Ouais, mais franchement, avec des trucs useless. Il y a le masque à gaz, mais franchement, il est tellement useless que... Nuke building. Tu commençais trop la classe, nuke building. Nuke building. En fait, là, c'est l'endroit où ils stockent les ogives nucléaires. Voilà, voilà. What? Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est Meryl. Ah, putain, je suis con. Je pense que bientôt, je pense que tu peux aller te mettre en position. Pour psychomantis. Ouais. Tu veux une lunette? Ouais. Bon, on explique psychomantis. Alors en fait, j'ai demandé à Jérémy de se mettre à côté de la Wii. Parce que là, on va affronter un boss. Je sais pas comment dire. En fait, il contrôle la manette. Donc en fait, on est obligé de changer le port de la manette à chaque fois qu'il... Mais il te le dit à chaque fois dans quel... un blackout. Ouais. Dans quel port il faut le mettre? Non, non. Tu mets, tu passes du 1 au 2, du 2 au 3, du 3 au 4 et du 4 au 1. Ok. Quand je te le dis. Ça marche. Ça va être showtime, aïe aïe aïe. Et là, c'est le combat où généralement je passe le plus de temps. Parce que dans ses mouvements, il est imprévisible. Le moment où tu dois changer de port aussi, ça peut être deux fois d'affilée, comme une seule fois dans la partie. Attends, pas mal, non. Non. En fait, il a pris le contrôle de Meryl. Oh, putain de merde. Oh. Il faut que tu la stun. Tu te tires dessus. Si tu la butes, ça fait quoi? Vous avez créé, un passe-temps. Paradoxe temporel. Paradoxe temporel. Passe-temps. Passe-temps temporel. Alors là, il regarde dans les memory cards, donc je pense qu'il aurait dit ouais, tu joues à Mario Sunshine, ouais, tu joues à Smash. Ah bah alors là, t'en as un des jeux là-dedans. Hein. Ouais, j'en ai. Donc on va voir allez, ce qu'il hop, va change. Dire. Quand il fait ça là, tu vois. Là, ça veut dire je te contrôle, bah alors là, je suis les. D'accord. Famas. Il est... rien comme vie. Ouah, ce qu'il t'a mis. Ouais, mais c'est vrai, il fait pas très mal, franchement. Il est chiant, voilà. Par contre, là, avec ça, il fait mal. Et ouais, il contrôle les objets, c'est pas pareil. L'autre, il t'a mis par terre, tu t'es allongé, quoi. La musique, mais elle est juste énorme, la musique du fight. Ça va, tu l'as pas mal de vie quand même, hein. Ah ça va, je suis pas trop mal. T'as pas mal de rations, hein, t'es tranquille, hein. Ouais. Ah, en fait, il vole, le mec. Ouais, il évite. D'accord. T'as vu ce qu'il fait, là? Il fait pencher l'écran du jeu. Putain, le mec. Allez. Alors, on ressèche Meryl. Super. 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 Il faut la restonner vite fait là. Ouais. Il a pas encore lu tes pensées là en fait. Ah non. Ah là par contre je pense que tu peux changer, ouais. Maintenant? Ouais, ouais, vas-y. Merci. Ouah, ce qui t'a mis. C'était juste devant moi. Ah, dommage, je l'avais à la tête là. Oula, pas mal. Non, putain, je peux pas le Famas là. Pas mal, bien joué.
Oh, bien joué. Ah, dommage. Vas-y, change. Pétrifié. C'est un cadavre qui... Non, c'est une armure. Ah, c'est une armure. Putain, il me spam là. Et encore un coup, je pense. C'est bon. Bien joué. Tu peux remettre sur le 1, s'il te plaît. Nickel. C'était drôle. C'était... C'est chiant quand tu joues tout seul. Parce que ouais, c'est clair. C'est pas mal, le principe est pas mal, je trouve, quand même, c'est cool. Mmh. Ouais, bah 30 minutes. Ça devait être chiant quand même à coder le fait qu'il faut changer putain, sa manette. Putain, c'est super chaud à faire ça, c'est un truc... Alors là, le champ de neige, là c'est chiant aussi parce que il y a les chiens en fait. Et les chiens ils te voient, ils t'attaquent à main quoi. Comme dans Resident Evil. Voilà, grosso modo. C'est des plus des chiens loups. Des, comment ça s'appelle? Les huskies, non? Ouais, c'est des huskies, ouais. Les chiens loups. Même les chiens, c'est. C'est le truc de MGS. Allez, si je passe en ouf. Putain. C'est bon, j'aurais eu mes petits bling du jeu, là, c'est tout bien. Ah, parce que. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est une femme, donc elle a des cœurs. Tout d'accord, ça. Ok. Tout... c'est... Voilà. C'est putain de stéréotypé, quoi, c'est juste abusé. On devrait changer de CD dans 10 minutes. Ouais, on n'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié. Il y avait des mines. Ah. Du coup, il y a une cinématique qui s'enclenche que tu peux pas passer, qui te fait perdre du temps, putain. Ouais, ça c'est pas non plus monstrueux. Ah, du coup, tu gagnes les clés morts que tu vas péter. Ouais. D'accord. Bon, alors là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a Meryl qui se fait attaquer par un sniper. Donc, du coup, moi j'ai pas de sniper, donc il va falloir que je me casse pour aller en chercher. Hein. Super. Voilà, c'est magnifique. Elle veut pas te filer le tien, non? Elle n'a pas de sniper, mais. Ah. What? Fuck. Putain. Donc là, en fait, comparaison à l'épisode MGS sur Play 1, c'est que pour rechercher le sniper, avant, t'es obligé de retourner là où j'ai battu Revolver Ocelot. Ah ouais? Ça fait du chemin, tu vois. Mais là, dans la version GameCube, ils ont dit, bon, allez, on va être cool, on va leur mettre un sniper juste avant. Moi, il a pas besoin de s'attaquer. Faut quand même que je retourne jusqu'à avant Psycho Mantis, mais. Ouais, ça va. C'est risible. Oh, voilà. Les loups ils sont trop stupides, ils foncent n'importe où. Là, t'aurais pu rester par terre. Non, 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 ils me touchent, ils me mordent. Putain, les loups ils font des saltos quoi. Putain, les trucs quoi. Commander Room. Y'a encore des ennemis? Ouais, y'en a quelques-uns. Et là, tu te retapes petit comme 6? Ouais, j'ai que ça. Le sol il est bien fait là en mode marbré, je trouve ça. Non, mais il est bien fait le jeu. Il n'y a pas de défaut. Sauf sur les cinématiques. Ah, c'est celui-là donc. Non, ça c'est la boîte. Ah, il faut une boîte en plus. Non, non, ça, tu peux l'envoyer. Je me suis viré. Voilà, il va. Ah, PSG1T, d'accord. PSG1T parce qu'en fait il est tranquillisant, mais ça marche quand même pour buter le. D'accord. Putain, là ça va me changer la vie hein. Parce que sur ma fake manette officielle, moi j'ai le joystick, c'est pour viser avec le sniper, c'est un enfer. Ouais, ça valait mieux. Là, ça valait mieux. Le truc quoi. Merde. Ouf. C'était showtime. Hein. Ouais. What? Ah, mais c'est un mini oui, truc. Un mini lui m'attaque pas. Bon, allez, cinquième boss. C'est un jeu de boss. Yeah.
Ah ouais. L'autre est à la moitié à poil. Ouais, c'est japonais hein. L'autre c'est un sniper, elle est à la moitié à poil. Ah, c'est son souffle que tu vois là. Ouais. C'est la classe. On en a un scar. Bon, oh, mais lol. C'est fait? C'est fait. D'accord. Et t'as mis combien de temps avec ta manette à toi? J'ai mis 3 fois plus de temps. Excellent. Ouais. Ouais, c'est une tourelle avec mitraillette. Hein. D'accord. Donc là, Snake, il va se faire capturer. Et on va l'avoir dans le cul. Donc là, je vais passer la torture. Ouais, parce que nous, on n'aime pas les tortures. Nous, on est, ouais, est pacifiste. On est, ouais, exactement, on est pacifiste. Ouais. Nous, on aime bien les petites roses. Exactement. Tendresse et chocolat. C'est ça. Voilà, je suis soumis. Oh putain, ça, c'est la salle de torture, ça. Le truc, on dirait l'hyperdrive dans Star Wars. Maintenant, il va falloir s'évader de la prison. Ah, avec un fil de fer et un chewing-gum. Non, non, c'est trop facile ça. Ça, c'est trop facile. Snake, quand il s'évade, il a la classe. Attends. Il va le faire avec quoi? Tu vois. Ah, j'ai peur. Avec du ketchup. La classe. Franchement. Franchement. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes sur Terre qui se sont évadées avec du ketchup? J'avoue que non. Non, hein. Encore jamais, non. Et bah voilà, tu vas l'avoir en temps réel. Putain, la classe. Putain, le dialogue, il est long. Hein. Putain, les mecs. Il y avait trop de choses à se dire après. Ah. Voilà aussi trop c'est... sexy. Là aussi c'est timé. Donc j'attends. Si tu tournes trop autour de ta main, tu vomis au dernier moment ou pas? Pas dans celui-là. Ah c'est pas dans celui-là? Dans PS4. Autre. Ouais c'est ça. Hein. Non, je sais plus trop quel jeu aussi, quand tu faisais ça, il vomissait un moment. C'est notre ami le chef du DARPA. Ah. Et ça c'est le vrai cette fois, c'est pas le fake qui était dans la... Ah, il y a le petit verre qui arrive dessus. Ouais. Lui il est mort depuis beaucoup plus longtemps, c'est pour ça qu'il y a des petits verres dessus. D'accord. Tu peux pas les manger si t'as le dit pas? Bah écoute, non. Ok. C'est pas conseillé. Puis alors t'as une cellule, elle est genre monstrueuse quoi. Ouais. Le mec il peut se faire un twister en plein milieu là. Putain. Elle est plus grande que mon appart, c'est la cellule. Le lit doit faire 3 fois la taille de Snake. À peu près. Je tape dans le vide, je suis un autiste. Je suis un autiste. Non, pourquoi j'ai vraiment ça? Comment faire péter là un plomb, mec? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a envie de chier parce qu'il est chiant. C'est vraiment japonais quand même, hein. Eh ouais. Mais qui veut faire péter un plomb à toute la tête, c'est ça. Qui est là, t'es. Ouais. Putain, l'autre il arrive énervé quoi. Putain, pète les couilles tous. Sans déconner. No shit. Je trouve qu'on voit que lui, on dirait la petite bestiole qui est dans Abyss. Abyss tout quête. Tous. Donc là en fait c'était Otakon, il m'a amené des livres, dont du ketchup. Ah ouais. Que je vais utiliser. D'accord. Quand il voulait. Voilà. Ah ça fait genre t'es mort en fait. C'est genre je suis DL. Ah ouais. Ça c'est pas la classe. Putain. Il va venir. What? Oui. Jesus fuck. Et là t'allais faire quoi? Une retournée acrobatique? C'est exactement ça. Ah non même pas. Je me casse. What? What? Énorme. Et il faut faire quoi maintenant? Oh putain non. Mais je suis un abruti. Mec il sort et après il re-rentre. Il fait bon allez je reviens, je suis gentil, allez. Allez.
Ah mais je suis un abruti. Et tu fais comment pour ressortir? Faut que j'attende qu'il retourne aux chiottes maintenant. Ah putain, on va perdre du temps. Putain, vas-y, ça fait chier. C'était mais énorme. Ah putain, mais je suis vraiment un abruti. Et tu veux lui refaire donc le même coup en fait? Non, mec, il est pas trop con déjà. Non, ah, il faut que je fasse autre chose. D'accord. Ah putain, mais je suis vraiment un abruti. Putain, on va perdre combien là? 5 minutes là. Bon, il reste un petit peu de batterie, je pense que bah dans 5 minutes on change ou un truc comme ça. Bah, le CD je pense je le change dans 10 minutes même pas. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait, on change le CD? Ouais, on change le CD. Donc les amis, si la caméra coupe rien, vous en faites pas, on reprendra la caméra au niveau du CD, hein, vous perdrez rien, spécial. De toute façon, je pense qu'on a fait le truc le plus drôle du jeu là. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Putain, je suis dégoûté, mais je suis vraiment un boulet quoi. C'est hallucinant. Énorme, t'es sorti, t'es re-rentré quoi. Je crois les speedrunners là ils se prennent ma gueule. Oh putain. Allez, on retourne chier un coup là. Putain, je perds trop de temps là. Oh putain, c'est énorme. L'autre il revient, il va faire tu te fous de ma gueule. Tu m'auras pas deux fois. Non non mais ton pote, il est sympa ce prisonnier. Ah oui là bah, ton pote est revient, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça passe prisonnier, c'est pas de m'y revient. Allez mec, vous avez pas une caméra de surveillance, c'est temps pour start-up. Tu peux passer sous le lit aussi? Ouais. Ça fait quoi? Il dit, oh, il est plus là. C'est ça. Ah c'est bon. Bon allez, cette fois-ci on va essayer de pas faire de la merde. Putain, ça me fait chier. Non, en fait, putain, on a perdu 2 minutes. C'est énorme. Mais c'est mais énorme. Non, ah non, franchement dans le page c'était mais énorme quoi. Tu m'as fait trop rire. Ah c'est là où tu sais ce que tu vas faire en fait. Ouais. Tu vas te foutre sur le lit, d'accord. Tu sais, il va pas me voir, il va revenir. Mais c'est stupide. Il sait très bien que les zombies. Ah bon, comment? Le mec il arrive et... Il a disparu? Non. Ah là t'as un chargement par contre. Ah, ouais. Ah oui, je sais pourquoi. Non. En fait, sous le lit tu peux le faire à la place du ketchup. Et là en fait ce qui se passe c'est que t'as le ninja qui arrive. Ah, il pète la porte. J'avais oublié ça. Ah oui, donc là t'es en alerte obligatoirement en fait. Ouais, mais bon, c'est une alerte qui compte pas. Parce que t'es obligé d'être en alerte. Ah ouais, donc là il passe derrière un truc, et hop là, chut, hop là, je suis tout habillé. Je suis habillé. Oh, ça va, c'est moins long que ce que j'avais pensé. Donc on a un moindre mal. Franchement, non, t'as bien fait de le faire. Franchement, énorme. Je suis un peu dégoûté. Et énorme. Compte sur moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais comme tous les speedrunners, hein, il y a des trucs qui leur arrivent qu'une seule fois. Hein. Ouais, qui en live comme ça. Non, en live. Évidemment, il fallait qu'on enregistre pour faire Marine. Évidemment! Bon, allez. Est-ce qu'ils sont restés pétés les trucs? J'ai pas envie de me faire avoir. Ouais. Donc là, bah là, t'as vu, on est retourné au début du jeu. Ouais. Donc là, il faut que je tourne jusque là où on a affronté le Snake. D'accord. En fait, il n'y a pas tant de zones que ça en fait. On n'a pas fait tout le jeu là encore. Hein. Non, non, mais je sais bien, mais pour l'instant, on est quoi? Bah la moitié, on a fait ouais 4-5 zones en fait. Bon si les zones je les connais, je les speed, hein. Je prends pas le ouais, temps d'explorer, il y a plein de salles où je suis pas allé. Ouais, c'est vrai qu'il y a des salles. Il y a plein que j'ai pas ramassé. C'est pas mal l'effet qu'on voit on voit les rayons des caméras ouais. Sur la map. Ouais. Et franchement des fois ça veut rien dire. Ah ouais, c'est du pif. Enfin non, c'est pas que c'est du pif, mais des fois il voit quoi. Ah, ah cette fois-ci. Donc là c'est les têtes nucléaires qui est à gauche. Ouais. C'est pour ça qu'en fait dans cette zone on n'a pas le droit d'utiliser les armes. Merde. Ah oui oui d'accord. Sauf celle-là parce qu'elle ne tire pas des balles là. C'est des touchés. Donc la même que tout à l'heure. Mais qui a rien compris, il se fait avoir la même manière. Putain, à chaque fois que je viens ici je m'en Putain, je suis trop con putain mais c'est incroyable. Quelle rapidité. Ouais. Nuke. 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 Ah, psychomantis. Encore. Pour être sûr. Come in the room. Trop de couleurs. Trop de couleurs, tu les couleurs, c'est ça. What?
me suis tourné dans les escaliers. J'ai voulu faire une roulade dans les escaliers, donc il a pas aimé. Mec, c'est pété avec les escaliers. Mec, il tape des Metal Gear, il va buter des mecs, il bute des ninjas et tout, il se pète la gueule dans les escaliers. Ouais. Il se prend le crâne, c'est reset, c'est game over. C'est game over. Oui. Traumatisme crânien. Non, pas cette fois. Ah. Ah, maintenant il te kiffe, parce que j'ai le mouchoir, tu vois en bas à gauche, Undaker. En fait, c'est le mouchoir de Sniper Wolf que Otacon m'a donné, avec le ketchup. T'es con en loup quand même, hein. Ouais, ouais. Non, parce que je sens l'odeur de Sniper Wolf. Ouais, non, mais d'accord, mais bon. Parce que sa mouchoir doit être plein de morts, plein de. Après, il te saute dessus, il te lèche partout, ouais. Tu peux plus avancer, t'es bloqué, game over. Game over. Il me regrandit le trou de balle comme ça, je suis enragé à terre. Enragé à terre. On va prendre des stun grenades. Oh putain, j'en ai que deux. Pourquoi t'en as besoin de beaucoup? Ouais, parce que là, il y a une séquence assez longue où il y a un spawn infini de garde en fait. Super! Ouais. On va arriver au moment où. Mais tu peux pas mettre un carton devant? Ça, c'est pas. Il faudrait une corde. Il faudrait une corde. Moi, je pourrais me servir de cette corde. Là aussi, il faut faire attention parce que. Bon, je vais t'expliquer comment on y sera. D'accord. Ça m'est arrivé la première fois, j'étais dégoûté. Tu sais comment on dit corde en anglais. Rope. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Quel talent. Quel talent. Quel talent. Non, la musique avec les. Non, mais je veux dire, voilà quoi. Cette fois-ci, on passe safe. Alors là. Là. Change de CD. Change de CD. Bon, les amis. Pendant qu'il change de CD, moi je change de caméra, on se fait un petit truc et on se retrouve juste après. Salut les amis, on se retrouve pour la suite. Voilà. Alors, je vais la se faire, on je recharge le CD. Juste la première caméra vite fait. Donc là en fait on continue. Et là je te parlais en fait du moment où il faut pas se louper. Parce qu'en fait ici regarde bien ce qui va se passer. Je passe la porte, laser. Ah ouais, laser obligatoire. Direct, ok. La musique juste énorme aussi là pendant toute cette séquence. Et en fait là, hop, j'ai pris la corde. Et en fait si tu loupes la corde, tu vas voir la séquence, en fait t'as des escaliers tu vois. Ouais. T'as genre 30 étages à monter comme ça à pied. D'accord. Et si tu te loupes, faut que tu redescendes toi à pied chercher la corde. Ah ouais, putain, super. Super. Ah ouais, d'accord, génial. Alors attends, hop. Je recharge un tout petit peu. En fait, tu relances des grenades stun pour les stunner. Ah ouais, ça t'évite de te les taper. Exactement. D'accord, d'accord. Là, comme j'ai plus de... Putain. Qu'est-ce qui t'a mis? Comme j'ai plus de grenades, je vais... Continue au FAMAS. Ce qui est une arme pas mal. Pas mal. C'est sympa qu'ils aient pris une arme française dans un jeu japonais. Je vois comment ils ont joué. C'est cool. C'est cool d'avoir fait ça. Ouais. Parce que je sais jamais en fait où ils sont vraiment. Là. Le mec il te manque 30 étages comme ça, tu sais, ouais. Il pas essouffler rien. Un peu à la base de kid. C'est ça. Il court tout le temps. Limite il court plus vite quand il monte les marches, t'as vu. C'est clair. Ah joli. Ah ça y est, on est où? Il te suit. Hé, hey, reviens. Reviens copain. Reviens. Je veux ton ketchup. GG. Communication Tower Room. Ça me fait chier quand même d'avoir loupé la séance de prison là, on a perdu du temps. C'est pas grave. Reset, on recommence. Putain. Mec, à 50 minutes, il reset. Donc là, si t'as pas la corde, t'es dans la merde. Oh
première rencontre en face à face avec Liquid. Avec plan spécial. Là il a le Indé, non mais je l'affronte pas encore, j'ai pas encore le Stinger, j'ai pas ah encore. Ouais. Je suis un peu bien de quelque chose là, vous pouvez m'en parler s'il vous plaît. C'est ça. Je glace pas mal, je touche pas. Ouais. Putain, t'as trop de ration. T'es trop bon mec. Ouais, bon, je vais en vérifier aussi. Normalement, il n'y en a pas. Quoi. Je crois qu'en mode extrême, tu peux porter que deux rations sur toi. Oui. Eh ben oui. Bah oui. Bah bien sûr. Tu te fais agresser par une tortue, tu perds une vie et demie. C'est ça. Tu veux définir extrême? Une fois, mais j'en ai pas vu. Hein. Oh putain, on y voit que dalle. Ah ouais, si, c'est monté sur le bord en fait. J'en ai pas. Bonjour. Bonjour. Ah mais en fait, ils sont immobiles là? Ouais, ils m'attendent. Ah. Ouais. Je pensais qu'il y en avait d'autres, mais ça va. Bon, sinon, tu te les fais au sniper, mais avec une équitant, une roquette, tu les prends. Ouais, c'est plus rapide. Ouais. Là, ne pas oublier le Stinger aussi, sinon tu l'as dans le Luc. Dans le Luc. Dans le Luc. Dans le Luc. T'as trop d'armes, mec. Ok, tu redescends là. Ouais. D'accord. C'était bien, t'as fait. C'est très joli ici, je redescends maintenant. C'est très très joli. Voilà. Maintenant, je me casse. Ok. Tu vas élever des loups en Alaska. C'est ça. Okay. D'ailleurs, c'est la passion de Solid Snake, des courses de trail. Ouais, c'est vrai. Merde. Merde, un trou. T'es obligé en fait d'aller là, ça active. Oui, ça active le. Ouais. C'est obligé. T'es obligé d'activer le. Merde. C'est ça. Enfin, puis c'est qu'à voix française, ça doit faire. Non, mais ça fait. Non, ils disent pas d'insultes dans la. Ah. Dans la VO. Ah là, dis ah, donc. Mais... Zut alors. Zut alors. Comment vais-je faire? En fait, c'est la grenade électromagnétique, ouais. Les tourelles. Le jamming machin. Là. Ouais. Quel talent. T'en as beaucoup comme ça. Ah, t'en as 20. Ah non, 20 c'est ce que tu veux transporter en fait. Mm-hmm. D'accord. Ouais, j'en ai 3. D'accord. Et le rayon d'action des grenades est. C'est limité, mais. Enfin, non, le rayon d'action est limité, mais la durée n'est pas. D'accord. Il est limité. Il y a tout le long en fait? Non, le maximum c'est 4. Quand il y en a 4 ensemble, c'est les dernières. Ok, donc là t'as plus besoin. Là on va sentir le. Putain, en fait il faut que tu redescendes, que tu vois. Merde! Voilà. Après que tu remontes. C'est ça. Et que là il va ah ah j'étais bien eu. C'est trop chiant. Mais... Là on va aller se péter liquide. En son indé. On va aller péter liquide. Ouf. Et là il tire un missile, tu et meurs. Après ouais. Avoir passé liquide, t'arrives à la fin du jeu en 20 minutes. Si tu joues bien. Ça s'enchaîne très très vite. D'accord. En 20 minutes. Allez, chiche. Et là où je peux perdre du temps, c'est contre le deuxième affrontement. Ah mais ça verrouille automatiquement. Ça se stimule, hein. Oui. Attends, j'ai un concert, le mec. Tiens, la gueule. Oula. C'était pas mal, ça, hein. Epic fail, hein. Un et peu. Franchement. C'était... Il y avait du boulot. Bien parce qu'un Indé, il te fait moins mal quand il tire dessus qu'une tourelle de tank ou psychomatiste qui te lance une boule d'énergie à la gueule. Ouais mais ça encore ça va parce que limite il faut les dégâts qu'ils veulent vu que c'est un truc qui est techniquement pas possible, les dégâts qu'il fait avec sa boule d'énergie limite. Ah, ah
Et alors, il faut combien de missiles pour le buter aussi? Ouais, putain, ça c'est surréaliste. Dans la vraie vie, excuse-moi, mais un missile ça suffit. Regarde, là je fais rien perdre encore. Putain, c'est un truc de fou quoi. Même le Metal Gear il meurt plus vite. Là il te lance un petit pistolet là-haut. Tu me renvoies un sandwich, merci frère. Merci gros. J'ai du ketchup, c'est parfait. Nickel. Putain, mais tu lui enlèves rien quoi. T'as vu? Heureusement que t'en as des missiles hein. Non, ce boss t'es obligé de le vaincre avec le Stinger. Enfin, pas les... C'est bien la traduction de nice shot en français, pas mal. Ouais. Tous les boss en fait d'MGS sont tous cool, ils sont tous fair play, genre. Ouais. Ah tu joues bien, enfin tu tires bien, dis donc, hein. t'es fort, dis donc. Ah c'est talent. Son frère hein, il va pas lui dire. Tous les mecs sont fair play, même si commentis il est. Je n'arrive pas à lire dans tes pensées. Pas mal. Genre le mec il est en train de crever. C'est ça. Esprit fair play des japonais alors. Bon jamais il meurt. C'est clair. Ah, tu veux un Bristol? Voilà, voilà, voilà. Allez, amène ta fraise. Où es-tu passé? Ouais. Tu regardes en bas, sur toi, pas pour. Mec, il a atterri en bas. T'es où? T'es où? Allez, encore un petit missile et je pense que c'est avec. Il est là. Alors, ça doit être pas mal. GG. C'était dur. Allez, petite ration, allez. Petite ration, j'en ai perdu une vite fait, je la reprends. Allez. Ah parce qu'il est pas mort. Ah. Allô, j'ai un missile qui me pose dessus. Vous pouvez me laisser deux secondes? Tu fais quoi? Tu fais quoi là? Ah t'es genre obligé de te prendre une claque? Ouais t'es obligé. D'accord. Super. Donc genre il te reste la moitié de ta vie. C'est tout. D'accord. C'est bien les jeux comme ça. Qui t'oblige à prendre des dégâts. C'est cool. Ah merde. J'ai tellement l'habitude en fait. Je me regarde tout le temps les cinématiques. Ça me fait limite mal au cœur. Mais... Ouais. Faut savoir, c'est ou speedrun ou speed par run. Ou speed par run. Ou un run. Ou un run. Un run avec cinématique. C'est le truc. Le jeu il se fait en 8h10, mais les cinématiques vous en avez pour 6h. Voilà, grosso modo. Donc là, faut redescendre. Là, faut redescendre. Tu peux pas avoir un ascenseur, une corde. Ça serait pas mal, hein. Un TP. Non, il me reste qu'une chef grenade, donc je vais me taper des roquettes, des tourelles au bout d'un moment. Un Xen. Un Xen, oui. Gravity Gun. Un Gravity Gun. Un MGS. Portal Gun. Portal tu tires gun. En bas, tu tires ici, hop, c'est bon, t'arrives. Vachement crédible. Ok, non, mais la chape grenade qui marche pas, non, mais c'est pas mal. Pourquoi pas? Le mec, il s'est pris 74 balles dans le dos. Il a rien perdu. Mais c'est Solid Snake, il a la peau en Kevlar. Tu savais pas? Le mec, c'est ultra Solid Snake. C'est quoi? Il a les boules en acier comme du nickel. Le mec il a vu les tours, il a fait non. Il s'est vautré quoi. Je préfère me faire une ouverture du crâne. Ah mais c'est mais énorme. Ah c'était mais mythique putain. Ah, l'avantage c'est que t'as des frames d'invulnes quand tu te prends des dégâts. Encore heureux. Cool. Ça c'est vrai que c'est cool. T'en as pas des bases quand même hein. C'est subtil. Mais t'en as quand même. Comment tu t'es étalé n'empêche. Tu perds presque autant de vie avec une seule qu'avec quatre. C'est mais ça. Putain, mais n'importe quoi. Hop là. Ah, des caisses. Excusez-moi, pardon. Mais non, voilà tout ça. Ils pouvaient pas faire l'ascenseur tout en haut, les mecs. Non, non, ils le font qu'ici. Les mecs, c'est des feignants. Ça va. Et là, tu peux pas l'appeler trois fois. Non, ah. Là, il est scripté. What? What? Parce qu'il est trop lourd. Ouais, la variante. Forcément, le mec il a un Stinger dans la poche, voilà quoi. Yep. En fait, là ce qui se passe, c'est que. Otacon il a voulu aller chercher un camp optique pour nous, mais en fait. Les gardes ils l'ont volé. Oh putain! Ah ouais, genre la séquence de merde quoi. Ah, c'est méchant, j'ai des balles. Putain, mais c'est violent quand même, t'enchaînes l'hélico plus ça. Parce que. T'es limite obligé de perdre la vie. J'enchaîne vite, c'est pour ça aussi. Ouais. Vraiment les tourelles tu vas faire bien, tu t'arrêtes devant, tu les exploses.
Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai pas envie de perdre de temps. Ouais, je pense qu'un jour on va s'essayer du speedrun d'Half-Life 2. Sans glitch ni rien, je pense qu'on essaiera de se faire ça à deux. Ça peut être marrant. Je pense que ça peut être drôle. Ça peut... Donc, vous qui regardez ça, si vous avez envie qu'on se fasse un petit speedrun sur Half-Life 2, vous le dites. C'est Tourelle Land le truc! Du pot à dem. Bon, 7ème boss. C'est que des boss. Sniper Wolf, deux fois. Ah ouais? Mais là, cette fois-ci, elle s'en relèvera pas. Ah! Donc, du coup, les loups, n'entendent plus quoi. Ouais. Putain, merde. Et là par contre l'affrontement il est un peu plus chiant parce que... Ah bah putain nickel. Qu'est-ce qu'il y a? Il est juste là, à gauche. Ouais. Parce que d'habitude je mets 3 heures à trouver. Tu vois ce qu'elle se cache là derrière, des fois elle passe là-bas. Ah, bah, nickel. Oh bien joué. Ah, tu dis c'est beaucoup, ça me change la vie la manette. Hein. Est-ce que tu vas passer à droite ou à gauche? Oh la tête, bien joué. Ouais, faudrait que j'essaie parce que j'ai pas beaucoup de balles en fait, c'est pour ça qu'il me faudrait que des têtes. Bah attends qu'elle se pose. Parce que je sais pas le temps de repop des balles en fait. Je vais éviter de perdre tout le temps. Même debout, je pense qu'il est. Ah. Oh ouais! T'as putain! Plus de chance, hein. Oh putain, t'as pas eu la tête, mais pas ouais. Mal. Est-ce qu'elle va ressortir? On va pas prendre l'arrière. Et tu guettes, puis tu vas. NON! Elle est où? Là. Ah, raté. Ouais, mais elle m'aurait eu si je l'aurais pas tiré. Parce qu'elle avait le laser sur ma gueule. Tu lui as pété le sein, salaud. Je vais tranquilliser la gueule. Salaud. Salaud, tu te tâches. Putain, oui. Non. Elle était à gauche tout à l'heure, elle a pas pu passer à droite aussi rapidement. Bien vu, assistant. Allez, sors à gauche. Vous voulez que je serve à quelque chose quand même. Sors à gauche, sors à gauche. Dans ton cul! Là, tu fais un fuck pendant qu'elle part à droite! Oh! Oh, bien joué! Oh putain! Elle est franchement rapide, hein! Franchement, hein! Franchement rapide, bien joué! Bon, là, elle était morte! Ah merde! Putain. Je crois qu'ils mourraient pas, les boss de MGS! Si, 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 si! Et en fait, Otacon il va pleurer! Ah! Parce qu'en fait, il est amoureux de Sniper Wolf! Ah! Donc là, on a une petite séance avec la musique et tout! Bon, à partir de là, ça devrait être allé. Ça devrait aller. Allez, ça fait. T'es à 1h02 là. Dans MG sur PS1, c'est à ce moment-là que tu changes de CD. Là. Ah ouais. Ah bah dis donc. Ouais, mais la GameCube était quand même. Enfin, ça reste un tout petit peu mieux optimisé que la PS1 quand même. Ah bah oui, même si c'est des plus petits CD. Ouais. J'ai pas de doute là-dessus. C'est quoi, c'est la lave en dessous? Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas se vendre. Si dans un jeu vous voyez pas de la lave, c'est que c'est pas un vrai jeu. C'est tout. Voilà. What? Quoi? Le truc il pète tout seul? Il bouge tout seul du coup. C'est mécanique. Ah oui, mais c'est un. Ah d'accord, j'avais pas compris. En fait, c'est un raccourci en fait que je prends. Normalement, ouais. T'es pas censé passer par là. Dis-moi pour le savoir, tu t'es vautré. Ouais, mais ça vaut le coup de le faire. D'accord. Tu gagnes du temps. J'ai cru que c'était toi qui l'avais, c'est ça qui est tombé. Ouais. Cargo Elevator. Cargo Elevator. On fait une petite séance cryptée aussi. Ah. Ça me fait penser à Half-Life 1. Ouais. Vite fait. Très vite fait, hein. Très très vite fait. Mais vraiment, mais. Mais vraiment, mais genre une demi-seconde. Quoi. Dans le droit. Derrière un coussin. Derrière un coussin. Quoi? Ah, allez! En fait, il n'y a que PID pour que les ennemis te spamment de balles. Sinon, les autres ils te spamment de 3 ou 4 balles. Après, ils font. Ouais. Non, je vais arrêter de lui tirer dessus, sinon c'est pas ça. Sinon, c'est pas fair play. Même geste, les méchants sont fair play. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien, même geste. Les mecs, ils sont cool. Non, attends, les salauds, on est à 3 dessus. C'est ça, exactement. On va tirer 2 balles chacun. Je pense que le pire jeu à ce niveau-là, c'est Assassin's Creed.
Les mecs, on est 10 à l'attaquer, ouais. On va peut-être pas l'attaquer à 10. Non, on va en laisser un chacun, comme ça on est sûr. C'est ça. Encore que dans le 3, ils ont arrangé ça. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Des fois, il y en a un des mecs qui vient, vient t'attaquer en même temps, mais ça change rien. What? Ah, c'est des corbeaux. Il y a des corbeaux. Il y a des corbeaux. Tout, bien sûr. Il eh ben, oui. Ah oui, en plus. En plus. Genre, vas-y, il cheat dessus, ça tombe sur toi. Ça se met sur la caméra en fait. Ah ouais, d'accord. Tu peux le exploser. Un petit coup de fil. Ouais. Voilà. Il cheat dessus, taxoplasmose, tu meurs. Fin du jeu, game over. Reset. Ah bah putain, il m'attaque, c'est enfoiré, c'est vrai. Donc là, boss. Grenade. Grenade. Il se passe sur les quatre coins. Ouais. Ils sont très organisés. C'est des corbeaux en mode organisé. C'est des corbeaux fair play. Voilà. C'est des corbeaux MGS. Alors, 8ème boss. Les corbeaux, quand tu leur tapes dessus, ils font putain, bien joué. Franchement, respect. Respect, mec. T'as encore un boss? Le boss fait le plus la classe, je crois, dans. Waouh! C'est quoi ça? En fait, il se transporte sur une Gatling de Nico. On dirait le boss qu'il y a dans. C'est normal qu'il prenne que là depuis tout à l'heure. Ah, parce que je tapais dans le mur. D'accord, je comprends mieux. On dirait. Ils ont les mêmes gueules que les boss qu'il y a dans Bioshock Infinite. Avec leur Gatling. Le mec, il a des réservoirs de munitions derrière lui. Ah, c'est ouais, un boss ça? C'est un boss. Ok, d'accord. C'est autant un boss que les. Que les gardes. Que les pirates élites dans Metroid Prime, quoi. C'est ça. Rien du tout. Ah oui, d'accord. Mais c'est normalement, t'es pas censé buter comme ça. Mais il est mort? Oui, il est mort. D'accord. C'était celui qui était en tank. D'accord. C'est le genre de rôle comme ça dans MGS, des fois c'est dur que dalle. Oui, là. Voilà. Celui-là, c'est. Voilà. C'est. Il y en a comme ça. Et l'Oscar pour le rôle secondaire le plus inutile de MGS. C'est ça. Arriver, hein. C'est exactement ça. Gatling Man. Exactement. D'accord. Gatling Man. Y'a Otakon, il a genre. Il a un rôle dans tous les MGS, les slots pareil, tout ça machin. Lui, non. Lui dans son cul, quoi. Peut-être dans MGS5, on ne sait pas. Mais qui revient. Hey, je suis pas mort! Non, mais MGS5 se passe avant MGS. Ah! Putain, mais ça va être tellement horrible, quoi. De faire des préquels. Autant tu fais un préquel, t'en fais juste un. Bon, admettons, tu peux réussir à donner un petit truc. Et là, tous les jeux, ils s'entrelacent. Comment tu peux réussir à faire une histoire qui se vaut, quoi? En plus, faut s'appeler Yokozuma. Ouais, non, mais. En fait, ça c'est bon quand il y a des mecs qui sont fans de certains personnages, du coup t'es obligé de le faire revivre pour que la saga du coup elle continue super bien. Ouais, mais franchement, bon, c'est pas le style de Kojima, mais je veux dire, il y a certains jeux qui l'utilisent. Dans Liquid Snake, le mec il a fait un seul Metal Gear, pourtant c'est un des fils ouais, de c'est Gross, le frère de Solid. Il est super connu. Alors Tacon, franchement, pas beaucoup de personnes l'apprécient, bon, pas mal de MGS. Ouais, c'est vrai. Oui! Oh putain, tu. Ah oh, ouais, j'ai cru que tu l'avais fait jarter du. Tu peux, mais la frame était pas assez précise. Voilà, là c'est Otakon, il te spam d'appels là. Lydia alone, il pisse et chier. C'est le Metal Gear là. Ouais, c'est Metal Gear. C'est le prochain boss. Là. D'accord. Fous-moi la paix. Laisse-moi sauver le monde, putain. Le mec. Au camp. Celui Snake. Bon. Celui Snake est mort en Alaska. Pourquoi? Parce qu'on l'a trop appelé. Le téléphone est resté collé à l'oreille. Ça n'est pas remis. Oh putain. T'imagines un MGS sans téléphone, les mecs? Ouais, c'est vrai. MGS au Moyen-Âge. Oh là, bravo Jean. Oyez. Les rations, c'est des petits plats de poulet. Tu sais. De on est à combien là? 1h08. Ouais, moi, ouais. Je compte pas le changement de CD, on a mis 30 secondes. Ouais, même pas 30 secondes. Ouais, ça fait partie du jeu. Fuck. Bah oui, hein. Bah c'est alors, juste de la première. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que dans la salle, en fait, on est allé dans une salle d'ordinateur. Dans cette salle, tu vas pour désactiver Metal Gear avec ta clé. Ouais. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'Oslot nous a vu, il nous a tiré dans la clé est tombée tout en bas. Donc il faut qu'on récupère la clé. Oui, évidemment, il va se lancer à ce moment-là. Metal Gear, tu vois. Parce que c'est des séances que je veux pas. Déjà, il faut aller récupérer la clé. D'accord. Et ça, c'est assez chiant. Parce que là, Octagon, il est au-dessus, il fait. Trop droit. Il faut aller récupérer la clé, mais je vais prendre le Stinger. Putain, c'est un missile. Non, mais je vais être sûr de ne pas me louper en fait. Tu vois, le rat qui est là, c'est lui qui a bouffé la clé. Comment tu. Putain, tu savoir ça. Pourquoi il m'a. Ok, voilà. Comment rater un rat avec un lance-missile?
Laurel, il doit être en train de se foutre de ta gueule, il fait... Putain, putain. Mais... No shit. Ah bah putain. C'est quoi cette visée de merde? Mais c'est mais énorme. Tu sais que c'est le genre de truc qui m'arrive jamais d'habitude. Mais c'est mais énorme. Putain le mec. Même chez moi j'ai moins galéré à tuer l'oracle. Oh putain. Au lance-missile t'as réussi à rater le... Arrête, déjà ça c'était pas mal. Putain. Alors, autour de la clé, c'était magnifique. Ah putain, du coup les gars les ont entendus là. Oh putain. Ah oui, très joli ça aussi. Le mec il vise un mur. J'adore comme tu marches doucement quand tu l'embarches dessus, tu sais. C'est vrai qu'il est fair play aussi. Ouais, grave. C'est vrai qu'il est fair play. Donc là, je retourne dans la salle d'ordinateur. Mais bien sûr, entre temps, Ocelot s'est cassé. Ah. Putain, enculé. Donc en fait, il y a 3 ordis. Dans chaque ordi, il faut insérer une clé. Seulement, j'ai qu'une clé. Donc à ton avis, comment on fait? 3 ordis, t'as qu'une seule clé? Ouais. Bah, tu testes un check. Alors. La clé. Elle est... Ok. En fait, si tu veux, chaque. Ordinateur a besoin d'une clé différente en fait. Ouais. Et mais la même clé, si tu veux, peut servir pour les deux autres ordinateurs si tu la refroidis ou si tu la réchauffes. Ouais. Ok. Donc là, je mets la clé à température ambiante. Ouais. Ok. Donc ça. Oups, ça je peux pas. Ah si, je peux passer. Putain. Donc là, maintenant, il faut que je refroidisse la clé. Donc un endroit froid qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est où à ton avis? La neige, là où il y avait les loups. Exactement. Non. Là où j'ai battu Gatling Man en fait, c'était dans... D'accord, oui, c'est un truc. Ok. Donc là en fait, il faut que j'aille là-bas. Ouais. Que j'attende environ 5 minutes que la clé refroidisse. T'es sérieux? Et que je regagne ici. On est d'accord que c'est long et c'est chiant. Ouais. C'est pour ça que j'ai ma petite astuce pour gagner 4 minutes. Putain. Et l'endroit chaud, ça doit être là où il y avait la lave tout à l'heure. Exactement. Ok, mais c'est encore plus loin. Ouais. C'est encore plus chiant. C'est pour ça que j'ai aussi ma petite astuce. Tu vas là. Tac. Tu te rattrapes. Et en fait, ici, t'as des conduits. T'as un conduit froid et un conduit chaud. Si je suis trop près, ça va pas marcher. Si tu as un conduit froid, hop. Ah, bah c'est chaud pour, je pense. Ça a gelé ma clé. Ouais, mais ça, dans le premier geste, il n'y était pas. Ah, il faut le savoir, c'est caché quoi. D'accord. Voilà. Putain, pas mal, bien joué. T'as trouvé ça comment? En baladant. Non, ah, même ouais. Pas en baladant. Et ça te fait gagner bien 10 minutes quoi. Dans les deux clés du coup. Ouais, c'est pas mal hein. Et ça te glace pas toi? Non, non, non. Snake, il a une peau en Kevlar. En radiateur. En radiateur. C'est un Kevlar, radiateur. Anti. Et sac congélation aussi, parce que vu qu'après il va à la chaleur. Exactement. Donc là, on va mettre la deuxième clé. Oui, donc celle du bleu pour le froid. Et celle du rouge pour le. Herbe. Herbe. Mais... C'est pas ça? Non, c'est pas les Pokémon. C'est pas les Pokémon. C'est pas les Pokémon. Ok, donc deuxième serrure activée. Donc là en fait, c'est censé faire ça pour désactiver Metal Gear. Oui, j'avais compris. Sauf que ça va pas marcher. Sauf qu'en fait, si tu veux, Liquid il se sert de son frère depuis le début en fait, parce que je sais pas si t'as entendu ce que je t'ai dit au début, c'est que le Black là, sous la torture, il a donné le mot de passe. Ouais. Sauf que le deuxième qui meurt d'une crise cardiaque, il a pas donné son mot de passe mais il est mort. D'accord. Donc du coup, ils ont pas les codes pour activer Metal Gear. D'accord. En fait, c'est clé. Là, ce que je fais. Snake il croit faire ça pour désactiver Metal Gear, mais en fait il va l'activer. D'accord. Le mec il m'appelle pendant que je suis en train de faire du... Est-ce que je suis en train de me démonter le bras là? Tu peux me rappeler après s'il te plaît? T'es vraiment un dialogue qui ont du mal à se charger des fois, c'est bizarre. Mais quoi? Du dialogue. Non, c'est parce qu'en fait t'as des petites animations en même temps de personnage. Ouais, t'es pas mal là. Je suis pas mal, franchement, je suis... Putain. Fais-moi la paix. Franchement, avec tous les codecs, tu dois perdre bien 10 minutes. Le mec, c'est une hotline quoi. C'est ça. Allô. Service après-vente de Metal Gear. Tu vois, elle a bougé, ça fait une petite animation. Ouais. Super. C'est génial. Truc que tu laisses quoi. Ah, tu m'as violé avec 14 ans. Putain, il est long celui-là en plus. Putain, le mec. Je
marches sur des cadavres. Ils sont pas morts. Ouais, ils sont juste endormis. Ça va, Snake, il dit. J'ai pas tué tellement de mecs finalement. À part dans les zones scriptées où tu es obligé. Ouais, par exemple. Non, tu peux les endormir, ça les fait disparaître aussi. Mais... ça met plus de temps à les endormir qu'à les tuer. Ouais. Et là, dernière clé. Ok. Donc là, en fait, il y a le qui t'appelle. En fait, c'était. Liquid Snake. Ah, et c'était un piège. Tu t'es fait. It's a trap, regarde. It's a trap. Hop, c'est moi. Lol. Sous. Fuck. Là, il est en train de se dire ça en fait. Là, c'est pas marqué, mais il est en train de dire. La fois que le tycoon qui vient ouvrir la porte. Eh, hey, t'as plus deux fois dans le but. Là, t'es en train de crever en fait. Si c'est timé. On va prendre le stinger. Ah putain, j'ai plus de balles. Ça, c'est pas mal. On va pas prendre le stinger. Si, je suis obligé, de toute façon, je vais mettre. Ok, là, il nous ouvre la porte. La Dour! C'est la Dour! Revenons la Dour! C'est l'heure du Dour! Ok. Donc là, il y a un dialogue hippique entre Liquid et Solide où il lui avoue que c'est son frère, machin. Hippique? Ouais. Avec des chevaux, tout ça? Ok. Et là. Putain, la deuxième, j'ai. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Bon, par contre, normalement, je peux bien. Ah, mais c'est là la séquence avec un. Ah, merci. Ah, tu peux tirer direct là. Ouais. Putain, tu l'enlèves. Ouais, je te dis, il perd grave de vie le médaillard. C'est de la merde en fait. C'est pas genre, de la bonne cam. Les gens ils sont venus dans cet endroit. Ils sont venus genre juste pour le Metal Gear. C'est le truc qui est le plus pourri de la base en fait. Même le temps qu'il peut résister. Ouais. Oh putain, par contre, ce qui te met. Ouais, par contre, il me met mal. Hop et. Ah là! C'est fait? Il est en deux phases. Ah! Donc là maintenant il y a Grey Fox qui va oui, arriver. Forcément. Ah non! Je m'y crasse pas! Là je peux pas le passer. En fait là t'as Grey Fox. Ouais. Et là t'as Liquid. Il va dire tire, mais ce mec il veut pas tirer, il est fair play. Tu vois, c'est fait. Tu voudrais bien, mais. I can't do it! I can't shoot! Je suis en train de spammer, I can't shoot! Voilà. Bon, on voit comme ça, c'est ce qu'on avait vu. Ouais. Et l'autre, il laisse sa tronche ouverte? Ouais, oui, parce qu'en fait, d'avoir pété son bras, enfin son truc, ah ouais, bras, ça a ouvert la. Putain, ce que tu lui mets? Ouais, je tire direct sur Liquid. Explosif. D'accord. Mets-toi à côté d'un truc explosif dans le doute. Voiture. Merde. Parfait. Allez, lock-le là. Lock-le là, oh. Voilà. Loch Ness un peu là. Loch Ness. Le Metal Gear est down. Enfin, down. C'est ce qu'on croit parce qu'on l'aurait utilisé dans MGS4. Donc là, je sais plus, 10e boss, 11e. Ça va être cool. C'est liquide. On a arrêté de compter les boss. Je suis pas mal. Normalement, dans 10 minutes, c'est plié. C'est le dernier boss, hein? Ouais. En fait, t'enchaînes les boss à la fin quand tu. Ah, je t'ai dit, ça va très vite. Après c'est le Indé, ça va très très vite. Parce que je joue vite aussi. Parce que je le connais bien. Ah, c'est timé! Ouais, parce qu'il y a une bombe qui va exploser. D'accord. Je sais pas si tu vois, il y a Meryl. Non. Attends. Faut pas que je fasse de la merde parce que là, j'ai pas de ration. Ah ouais? On t'en vérifie quand ça arrive. Hein. Ouais, mais Liquid, il change pas que ce soit en extrême en vérifie. Ah, super! Celui, on les coups de poing à 12 km. What? T'as fait quoi là? T'as chopé Liquid Snake? Non, j'ai chopé son Dog Tag. C'est ça, pas que. Parce que ouais, t'as plein de. Deux frères qui se battent. Combat de tarus. C'est pas mal fait quand même, le système est pas mal fait. De quoi? Bah, je trouve que c'est.
pour un jeu qui est pas censé être quand même de combat au départ. Ah non, pas rien, c'est quand même pas mal géré, les dégâts, tout ça. Pour ça, je suis débrouillé, hein. Ouais, ça va, ça va. Tu vois, il y a Meryl en haut. Ah ouais, d'accord. Sauf qu'il sait pas Snake, mais il est déjà mort. Après, t'as une scène où il va l'avoir, il fait. Non, il fait le cri, tu sais, genre. Ouais. Et t'as la caméra qui fait un backup. Un backup. Un backup. Oh, j'ai réussi à l'enchaîner 4-5 fois là. Normalement, tu peux pas enchaîner plus de 3 fois. Bah, forcément. Bon, jamais il crève. Le truc, il est tombé n'importe comment. En fait, t'es aussi pourri que ton frère quand tu tombes dans les escaliers, quoi. Ouais, c'est ça. Bien joué. Bon alors là en fait ce qui se passe c'est une cinématique où Snake il fait un uppercut à liquide et il tombe du Metal Gear dans le lit. Ah voilà, ouais mais non. Donc du coup là il y a Otacon qui vient te chercher et il dit bon Snake t'en as pas marre, on se casse. Et Snake il fait ok allez. Et entre temps je t'ai repassé ta combi parce qu'elle était un peu froide. Bon bah, que, par contre elle a chopé les rations là parce que, bon, du coup t'as plus rien. J'ai perdu tout mon stuff. Putain du coup t'as tout perdu le deck. Ça elles sont pas très bon. No shit. Mm-hmm. Et c'est quoi ces bagnoles? C'est des bagnoles avec la mitraille derrière. Comment ça d'accord. Ils se disent qu'il y a une vie à la con. Ouais. Ouais. En fait t'as pas d'armes pour l'instant. Pas d'armes. Putain super. Ah il faut que tu le laisses le temps qu'il fasse pas trop quoi. Alors lui moteur c'est bon, le frein à main c'est bon. L'essence, ok. Oula! Petit rail. Petite séquence rail. Putain, quand tu prends des balles. Putain, la tranche de recul. Ouais! La l'accélération V12. C'est la V12 le truc. Tu vois? Bon, je pense arriver à faire en dessous d'une 30. Allez, une 30. Il te reste 9 minutes. Et ben, comme le timer en haut. Ah ben voilà, exactement. Au niveau caméra, non, ça va aller, je pense. On a de la batte? Ouais, on en a encore. Putain, ça met du temps à péter ces trucs. Ouais, t'as vu un peu, c'est hallucinant. Limite, tu fais chouet. Tu fais des attaques, c'est pas ouais. Tu pouvais pas faire ça avant? Pardon! Ah. Ok. Péon, le mec est quitté, putain. Tu sais pas conduire en fait? T'as été opéré dans une boîte de céréales? En fait, le mec, il fait des dérapages. C'est la musique, elle est énorme. C'est un drift. Il y a que, il y a que des postes de sécurité dans le jeu? Ouais. D'accord. Non, c'était dernier, merci. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Peut-être casser les pneus sur une ligne droite. Ah! Ah! Ah, mais il est encore là, lui! Mais bien sûr. Mais putain! Mais t'es toujours là! Non, jamais. Le mec, on l'a explosé deux fois avec son truc. Le mec, il a des feux, ils sont irrésistibles. Ils sont irrésistibles. C'est irrésistible. Je ne peux pas résister à ton charme. J'aime tes feux. Ouais, c'est scripté, je suppose. Oui, oui, oui. Ah! Là, toi, tu pourrais le faire cette séquence. Ah, c'est gentil. Y a pas de. Tu peux aller plus vite ou quoi, non? C'est... Ouais, tant que tu tires dessus et qu'il n'attaque pas toi, du coup. Heureusement que t'as des balles infinies, hein! Heureusement! Putain! Qu'est-ce que. What? T'as mis 3 heures à tourner sa putain de mitraillette. Quoi? Comment il peut éviter des balles alors que c'est genre. Comme ça, quoi! N'importe quoi! Oh putain! Ça y est. Ça y est, c'est-à-dire. C'est fini? C'est fini là, genre c'est bon là, t'as plus le bouton à punir. Enfin, il y a le codec, mais. Bon, et bah donc, une 23. Oh, fuck yeah! Une 23 à 30. Parce qu'il y a le générique, ça compte pas le générique. Bah, c'est là, à partir du moment où t'as touché le dernier bouton. Donc, ouais, c'est bon. Juste, donc normalement, c'est bon. Donc, une 23 à 30. Enfin, nous, c'est ce qu'on a compté, nous, au compteur. Voilà. Donc, bah, les amis, bah, c'était cool. De toute façon, on mettra un timer sur la vidéo. On mettra un timer sur la vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo bonus que j'avais envie de faire. Voilà, il voulait absolument du coup, il le faire. Il m'a proposé de le faire chez lui. Ouais, voilà, c'est cool. Non, c'est cool.
Bon, c'est un pro quand même, hein, bon voilà quoi. Ouais, je le connais pas mal. Voilà, donc un jour on essaiera de se faire Half-Life, ce serait cool. En speedrun, ce serait vraiment pas mal. On essaiera de se faire ça un jour. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait la semaine? On laisse la semaine? Non, pas là. Allez, c'est tellement long. Ouais, long en plus. Ça va durer plus longtemps que le run du jeu. Donc, bah écoutez, les amis, on vous laisse. On dit à la prochaine. Puis on espère que ça vous aura plu. Puis d'ici là, bah, partez-vous bien. Puis à la prochaine. Ciao! Ciao tout le monde!